peace unto this country. We say, let righteousness flow in this country. Let them know Jesus. Make yourself real, oh God. In this country, come and reign. Father, let your name be glorified. Oh, every enemy of God, let them begin to rise against themselves. We speak peace unto Algeria. We speak peace unto Ukraine. We speak peace unto Iran. We speak peace unto Latvia. And we ask for the peace of God to reign in these countries, oh God. We say enough is enough. Enough is enough. Every enemy of righteousness, let them begin to rise against themselves. Let there be peace in this land. Let there be righteousness, oh God. And let your name be glorified. In Jesus' mighty name we have prayed. Finally, you are going to talk to God. There is a reason why you are in the presence of God this morning. You are going to ask God. And say, Father, don't pass me by. You will remember me this morning. Today is my day. This is the day that God has made. And I have every reason to rejoice in it. Therefore, God, I have come into your presence. The enemy will not steal my joy. The enemy will not destroy my destiny. Today is my day, God. Don't let me go back the same. Please don't pass me by. Open your mouth and begin to talk to God. I say, in this morning service, I want to see you, Jesus. I want to see you, Jesus. I want to see you, Jesus. Minister unto me, oh God. We commit your son that you are going to use this morning. We ask for fresh anointing. And we say, God, you will move in a mighty way. You will remember me, oh Lord. Remember me, oh Lord. Today is the day you have made for me. The enemy will not steal my joy. The enemy will not destroy my destiny. Father, today is my day. Today is my day of victory. Today is my day of joy. So shall it be in Jesus' name. Amen. Amen. And so, Father, we thank you this morning. Père, nous te remercions ce matin. We give you all the glory. Nous te donnons toute la gloire. You are the Almighty. Tu es le Dieu Tout-Puissant. The Bible says you sit up in heaven. La Bible dit que tu es assis dans les cieux. And you rule in the affairs of men. Tu règnes sur les affaires des hommes. You are the sustainer of the whole universe. C'est toi qui soutiens l'univers entier. You are the maintainer of the world. C'est toi qui maintiens le monde. This morning we have come into your presence. Ce matin, nous sommes dans ta présence. We pray that none of us will go back the same. Nous prions que personne ne puisse repartir. Father, we will not go back the same. In the name of God the Father, in the name of God the Son, in the name of God the Holy Spirit. Today is our day. It's our day of joy. It's our day of victory. It's our day of success. It's our day of breakthrough. Father, Lord, our eyes are on you. No one comes into your presence and remain the same. We will not go back the same in Jesus' name. We lift up these countries unto you. Seigneur, nous levons ces pays and we speak toi, peace in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Peace unto Iran. La paix en Iran. Peace unto Ukraine. La paix en Ukraine. Peace unto Algeria. La paix en Algérie. Peace unto Latvia. La paix en Lettonie. And we ask that in the whole wide world, nous demandons que dans le monde entier, we command the peace of God. Nous commandons la paix de Dieu. And we say we are not moved by what we see. Nous disons que nous ne marchons pas we are not moved by what we hear. Nous ne marchons pas parce que nous entendons. Because come what may. Parce que ce que Dieu a fait, Jesus shall reign. Jésus va régner. Jesus shall reign. Jésus règne. Jesus shall reign. Jésus règne. Whether the devil likes it or not, que le diable veuille ou pas, Jesus shall reign. Jésus règne. In Jesus' mighty name we have prayed. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour chanter l'hymne, s'il vous plaît? There is power. Alors, s'il y a la puissance. Wonder working power. Une puissance qui marche. Would you be free from the burden of sin? There's power. Power in the blood of the Lamb.
Of applause, please. Let's give them a round of applause. Amen. Acclamons pour la chorale, s'il vous plaît. Amen. Amen. You may be seated. Est-ce qu'on peut s'asseoir? You're welcome to church this morning. Vous êtes bienvenue à l'église ce matin. Please welcome the person beside you and say you are welcome to church this morning. Accueille la personne à côté de toi. Dis tu es le bienvenu. You are welcome to church this morning. Tu es le bienvenu à l'église ce matin. You are welcome to church this morning. Tu es le bienvenu à l'église ce matin. Amen. Amen. Please let's listen to one or two announcements. Nous avons quelques annonces ce matin. We thank God for what God did in our midst yesterday. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait parmi nous hier. Please I would advise you this is not the time to miss the good morning. Holy Spirit. Je vous conseille, ce n'est pas le moment de rater, de manquer le service. Bonjour Saint-Esprit. That you can afford to miss at all. C'est pas un programme qu'il faut manquer. And the sad part of it is that when people were coming all the way from Canada yesterday. Quand les gens viennent de Canada hier. People that live in Ottawa and Gatineau were at home. Les gens de Gatineau et Ottawa étaient à la maison. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. We will not become the last in Jesus' name. Nous n'allons pas devenir les derniers au nom de Jésus. So please keep the date for the next month's Good Morning Holy Spirit. Alors marquez la date pour le prochain service. And make it a date with Jesus. Make it a date with Jesus. Et vraiment mettez-le dans votre calendrier. I would like to also announce the praying army. Et aussi l'armée de prière. Every morning. Tous les matins. You need the dosage for the day. On a vraiment besoin de la dose. I don't de la know prière. About you. Je ne sais pas ce qui vous concerne. I cannot go through this world without Christ. Et je ne peux pas vivre dans ce monde sans Jésus. I can't go through the world. Je ne peux pas vivre dans ce monde. I don't want to be on depressant. Et je ne veux pas être. The stress is too much. Le prix est trop élevé. I would rather give it to the burden bearer. Ou je dois donner tous les fardeaux à Jésus. And he will be cruising. Et moi je vais être dans la. So tranquillité. Please start your day. Alors commence ta journée with this morning prayer, avec les prières du matin and join the praying army. Et joignez l'armée de prière. Call on the prayer line. Priez, appelez la ligne de prière. The numbers are there. Le numéro est sur l'écran. The time is 6:42 a.m. Le temps c'est 6h42 le matin. And I know that once you call into this prayer line once. Et je sais que à chaque si tu appelles à just cette ligne try it prière, once. Alors essayez au moins une fois. As they used to say in my country, a trial will convince you. Convince you. Vous serez convaincu. Amen. Amen. In the hand of the. Amen. Nous avons quelqu'un who is very special and dear to us. Et qui est vraiment spécial pour nous. You know his two daughters. Vous connaissez ses deux filles, Sister Rachel and Sister Beatrice. Et la sœur Rachel et Béatrice. By the grace of God, par la grâce de Dieu, we have their dad in our midst this morning. Nous avons le papa Pastor et la maman. And Pastor and Madame Belflair. Nous avons le pasteur. Let's give the Lord a clap offering. Acclamons le Seigneur. They drove all the way from Montreal. Ils sont venus loin de Montréal. This morning to come and bless us. Pour venir nous bénir ici. Brethren, bien aimés, prepare your mind. Préparez-vous. Because you will not remain the same. Parce que vous n'allez plus rester. This plus man rester is a man of God that God has been using in the city of Montreal. C'est un homme de Dieu que Dieu a utilisé d'une manière spéciale. And we can see his children. Nous pouvons voir les fruits dans ses enfants. Bring evidence of blessing on comment us. Ils sont une évidence de bénédiction. We appreciate you. Nous vous apprécions. You are welcome. Vous êtes les bienvenus, maman. God bless you. Le Seigneur you are vous welcome, sir. Vous êtes le bienvenu, he's in the papa. Business. When he came this morning, I was saying, oh, our keyboard is traveling. Quand il est venu ce matin, j'ai dit, le pianiste a voyagé. I can play the keyboard. Mais si, il peut jouer. It is my father's house. C'est la père de mon père. You saw him, he was just playing le maison de mon père. Voyez, let's je l'ai give vu the Lord a clap jouer le piano. C'est merveilleux. There are men of God and there are men of God. Il y a des hommes de Dieu et when a man Dieu. Of God gets to the house of his father, quand un homme de Dieu vient dans la maison de son père, like a visitor, et il ne se comporte pas comme un visiteur, et c'est un homme de Dieu. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. Please, I would like to call to the altar. Alors j'appelle à l'autel. Our Father in the Lord. Notre Père dans le Pastor Seigneur. Pastor Belflair. Pastor Belflair. You are welcome, sir. Vous êtes le bienvenu, Pasteur. Une fois de plus que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. One more time, may the grace and the peace of God be with you. Je suis très content d'être avec vous ce matin. I am very happy.
J'aimerais vous dire que. I'm not going to take so much time, but. J'ai 5 enfants. I have 5 children. I want to tell you. Vous parlez de Rachel et Béatrice. You are talking about Rachel and Béatrice. C'est sûr, ils ont pris en partie ce que je leur ai donné. Ils ont pris une partie de ce que je leur avais donné. Oh, they are part of what I have given them. Mais ils n'ont pas tout pris. But they haven't taken everything from me. Rachel devait être bonne musicienne. Rachel is supposed to be a really great musician. Ainsi que Béatrice. Just like Béatrice also. Ah, ce serait bon pour vous bénir aussi. It would have been good, they would bless you. Mais malheureusement. But unfortunately. Elle allait laisser ça tomber. She left that aside. Alors, je vous aime dans l'amour du Seigneur. I love you with the love of God. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Je vous présente ma femme. And I present you my wife. J'ai 5 enfants avec ma femme. I have 5 children with my wife. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you, my wife. Thank you very much. Thank you. Je ne savais pas si j'avais tout le temps là ici. Comme ma femme devait chanter, alors je vais prêcher à la place qu'il chante, ok. My wife was supposed to sing. Tout chanter, ok, c'est pas grave. Ok, bien, d'accord. Okay. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Moi, je vais chanter à la gloire de Dieu. Plus que vainqueur, très la nature de vie. I'm just going to sing to the glory of God. Amen. Les cieux, au son
Avant que je prêche, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Just before we go into the word, I want to tell you a little story. Que j'ai appris dès ma jeunesse. That I learned in my youth. Il y avait une fois. There was a time. Un spectacle qui se faisait. There was a spectacle going on. À guichet fermé. À beaucoup de personnes. There was a lot of people. Tellement il y a beaucoup de personnes. There was so many people. Le premier jour. The first day, il y avait pas de place dans la salle. There was no place left in the hall. Et tout le monde, il y a beaucoup qui ont payé leur billet. And there was many people that paid for the ticket already. Ils n'étaient pas capables d'entrer. They were not even able to enter the hall. Il y avait tellement de gens dans la salle. There was too many people in the hall. Et comme c'était 3 jours, le deuxième jour, c'est encore pire, plus encore. And even the second day was worse. Le troisième jour, and the third day, il y a eu une tempête de pluie. Oh, there was a rainstorm. Il y a toutes sortes de vents qui empêchent les gens de venir. There was a lot of wind that were preventing people from coming that day. Et les jours, il y avait personne. Oh. Il y avait juste peut-être trois, quatre personnes dans la salle. There was maybe three to four people in the hall. Alors personne ne venait parce que il faisait du mauvais temps. Nobody wanted to come because it was really bad outside the weather. Et puis les spectateurs décident, nous n'allons pas faire le service, n'allons pas faire le spectacle. And the people making the show said, oh, we'll not do the show today. Nous n'allons pas jouer. We're not going to play our music. Parce qu'il n'y avait personne dans la salle. Because there's nobody here. Il y a un parmi les membres du spectateur. There was one among them that said. Il déclare, on va jouer normal. And he said, we're going to do business as usual. Il persiste qu'on joue. He insisted that they play that day. À tout prix, il veut que les spectateurs jouent. And he wanted the spectators to play. Il déclare que les 3 personnes qui sont dans la salle ont payé leur billet pour assister le concert, le spectacle comme les autres. Il faut qu'on joue pareil. And he said the 3 people that are here also paid their ticket to be here and came to see you play. Et puis ils ont fini par jouer.
and they played. Et après? And after? Arrivés à leur maison. When they went home. Ils ont reçu un chèque de $100,000. They had a check of $200. Ils ont dit, le dernier soir, vous avez été bien joué. They said the last day you played really well. Parce que le roi du pays. Because the king of the parmi country. Les, parmi les trois personnes qui étaient là. Or was among the three people that were there. Le roi du pays était là parmi ces trois personnes. The king of the country was among them. Alors ce matin. That's why this morning. Aujourd'hui. Today. Je me sens que. I feel like. Le roi de l'univers parmi vous. That the king is here with us. Alors si le roi de l'univers parmi nous c'est Jésus-Christ, nous sommes bien. If the king of the king of this world is who is Jesus is here with us, then we are good. Nous sommes bien dans la présence de Jésus-Christ. We are good in the presence of God. Nous sommes heureux dans la présence de Jésus-Christ. We are happy in the presence of God. Et c'est pour cela que. Other than. Je vais vous parler d'un voyage. I'm going to talk to you about the travel. Que l'apôtre Paul avait fait. That Paul made. À Macédoine. To Macedonia. Macedonia, ok. Sous ce, mes frères et sœurs, prions le Seigneur. Saint, Saint et l'Éternel des armées. Nous voici en ta présence bénie. Father, we are in your presence this morning. Pour ta gloire. For your glory. Pour ton amour. For your love. Pour ta miséricorde. For your mercy. Bénis cette parole. Bless your word. Nous allons parler. We are going to speak. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. La Bible dit que je vais faire face au deuxième voyage de l'apôtre Paul comme missionnaire. Et sur ce, nous allons nous mettre debout pour lire une portion de lecture que nous devons dans le livre. And we're going to stand up Actes des Apôtres, chapitre 16. Voici ce que la Bible nous dit. Actes des Apôtres, chapitre 16. In Acts chapter 16. À partir du verset 11. From verse 11. Actes 16, verset 11. Acts chapter 16, verse 11. Étant parti de Troas, je vais lire pour vous après si vous allez en anglais si vous voulez. Okay. Étant parti de Troas, nous fîmes voile directement vers Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes de Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. D'une colonie, nous passâmes quelques jours dans la ville. Le jour du sabbat, et nous rendîmes hors de la portée. Ça, c'est le verset. L'autre verset que nous allons lire pour vous, c'est le verset qui commence, le verset 2, ça se dit. And verse 2. Verset 2. Les frères de Lys, Incom, rendaient l'un de bons témoignages. Paul voulait amener avec lui et en prit. Il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux, car tous savaient que son père était grec. Parole du Seigneur. I'm going to read it in English. Okay, merci beaucoup. Verse 16. Okay. L'apôtre Paul décide d'aller à Rome dans son deuxième voyage. Paul decided to go to Rome in his second journey. Et si l'apôtre Paul décide d'aller à Rome dans son deuxième voyage, c'est dit qu'il a fait un premier. If he decided to go to Rome on his second journey, it means that he had a first journey also. Et le but de Paul, c'était aller parce que Jésus avait donné un mandat à tout le monde. And his goal was because Jesus had given them a mandate. Jésus, quand il donne un mandat, c'est à respecter. And when Jesus gives you a mandate, he's expectant of that. Jésus déclare dans ses paroles, allez. Jesus told them to go. Allez faire des disciples. Go make disciples. Allez à Rome. Go to Rome. Allez à Jérusalem. Go to Jerusalem. Allez dans ta maison même. Go to your neighbor's avec home. Tout le monde, allez donner la parole. Go speak my word. Ça c'est la parole de Jésus-Christ. That was Jesus' word. Et dans l'esprit de Paul, and in Paul's spirit, ce n'était pas seulement de rester pour prêcher l'évangile. He wasn't just to go and speak the word. Mais c'est aussi aller parler la parole de Jésus-Christ. And to was to go to speak the word of God. Et
Dans son voyage, and in his journey, il avait un plan bien déterminé. He had a really good plan. Il décide d'aller he decided to go. Tout prix. He was determined to go at all cost. Que soit des problèmes, whether there will be problems, difficulties, problems, et pleuves, and rain. Paul décide d'y aller pareil. He was determined to go. Et c'était son plan. And that was his plan. Pour aller à Rome. To go to Rome. Et parce que Jésus, because Jesus, avait donné, gave him un mandat, a mandate, à ses disciples, to his disciples, à tout le monde, to everybody, aller, to go, faites des disciples, make disciples, allez, go, prêcher l'évangile, preach the word, allez, go, sauver les âmes, save the souls. Je dis à ou même qui là, je dis à toi qui est là, donc aujourd'hui toi qui es ici, oh, today you that are here today, toi qui es ici, you that are here today, vous avez ce même mandat, you have the same mandate, okay, toi qui es ici, do you that is here, tu as ce même mandat, you have the same mandate, allez, to go, allez, to go, prêcher l'évangile, preach the gospel, donner l'évangile, preach the gospel, partout, everywhere, avec tes amis, with your friends, à l'école, in school, dans ton voisin, in your neighbor, allez, go, donner, give, allez, go, donner l'évangile, give the gospel. Okay. Si Jésus a donné un mandat, if Jesus gave us that mandate, si le Christ nous a donné un mandat, if Christ gave us that c'est mandate, à respecter, it's for us to on doit le faire. To do it. Et comme Paul, and when Paul décide d'y aller, decided to go, il y en a beaucoup qui étaient empêchés. There was so many things that. Mais quand on dit Paul doit aller, but when he was, il ne va pas tout seul. He didn't go alone. Il y avait une équipe de gens qui étaient avec lui. He had a group of people with him. Il y avait beaucoup de gens qui étaient avec lui. There was a lot of people with him. Et comme le travail était beaucoup, and because the work was, il a demandé à Silas. He asked Silas. Il a demandé à Silas. He asked Silas de l'accompagner. To follow him. Et Silas décide. And he decided. Silas décide de prendre ses compagnons. And Silas decided pour aller avec lui. To go with Paul. Pour aller prêcher l'évangile. To preach the gospel in Rome. Ça c'est l'obéissance de Paul. That's the obedience of Paul. Et c'est l'obéissance de Silas d'aller. And that was the obedience of Silas to go. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. But that was not the plan of God. Pour aller à Rome. To go to Rome. Parce que because tu peux décider d'y aller, you can decide to go dans un endroit, to a place, mais le Seigneur lui-même, but God himself, dans ses prêts, dans ses compassions, in his compassion, dans ses prévoyances, in his, dans ses visions, in his vision, il décide d'aller autrement. He wanted to go somewhere else. Exactement, c'est pour cela que Paul et Silas décident d'aller à Rome. That's why Paul and Silas decided to go to Rome. Sur le chemin. But on the way. Pendant qu'ils voyageaient. When they were on their trip. Paul eut une vision. Paul had a vision. Il voit. He saw. Un Macédonien. A Macedonian. Qui est en train de périr. Who was perishing. Mais son plan, but his plan, son ses désirs, was his c'était desire, aller à Rome. Was to go to Rome. Au cours du chemin, on his way, Paul a eu une vision, had that vision, pour aller en Macédoine. To go to Macedonia. Écoute-moi bien. Puisque Paul a eu cette vision, il dit à Silas, when he had this dream, he told nous him, avons vraiment un plan pour aller à Rome. We have a plan to go to Rome. Mais j'ai eu une vision. But I have a vision. Je vois un Macédonien. I'm seeing a Macedonian qui est en train de périr. Who is perishing right now. On doit contourner le chemin. We have to turn. Pour aller en Macédoine. To go to Macedonia. Pour aller sauver cet homme. To save this man. Je vous explique. C'est comme si. I want to explain. Quelqu'un qui décide d'aller au Mexique. It's like somebody who wants to go to Mexico. Toi, tu es au Canada. You are here in Canada. Et j'ai une vision. And I have a vision. On ne va plus au Mexique encore. We're not going on to Mexico va. Anymore. En Alaska. We're going to Alaska. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de périr. Because there's somebody who is perishing. Dieu. Look at the plan that was changed by God. Paul. Paul. Prit le chemin pour aller en Macédoine. He started now to go to Macedonia. Arrivé en Macédoine. When he got there. Voici ce qui s'est passé. Look what happened. Il commence à prêcher.
He started to preach. Il n'a pas trouvé le Macédonien. He didn't find any Macedonian. Mais quand même, puisque Dieu a parlé, but because he knew it was God, il a obéi. He obeyed. Parfois, sometimes, ce que je vois, what I see, ce que je comprends, what I understand, ce que je veux faire, what I want to c'est do, pas, c'est parce que Dieu veut. It's because God wants that. Il faut apprendre, if it's good to learn, à obéir, to obey, au plan de Dieu, the will of God. Parce que Dieu connaît le présent, because God knows the today, the present, il connaît le futur, he knows the future also, et il connaît l'avenir, and he knows the future. Malgré Paul, even though Paul, Paul n'a pas vu, even though he didn't see le Macédonien, the Macedonian, il continue à prêcher. He continued to il preach. Parle he talked, au nom de Jésus. He spoke in the name il of Jesus. Prêche he preached au nom de Jésus. In the name of Jesus. Il a trouvé and he found une femme, a woman, nommée Lydie, who said, qui demandait l'évangile, who was asking for the word of God. Il a prié pour lui dire. And then he prayed. Ce n'est pas encore, c'est pas encore fini le plan de Dieu. It wasn't finished. C'est pas fini le plan de Dieu. It wasn't finished at that point. Paul continue à prêcher. Il continue Paul à prêcher. Continue to preach. Comme il y avait des mercenaires, comme il y a des faux docteurs, because comme il y avait des malfaiteurs, because there was fake, des gens qui haïrent l'évangile, the people that were preventing the, des gens qui n'aiment pas l'évangile, the people that didn't like the word of God, ils commencent à ironiser Paul. They begin to il commence à ironiser Paul. They begin to mock Paul. Il commence à ennuyer Paul. They begin to mock il fait him. Toutes sortes de choses. They were doing all sorts afin of que Paul to make Paul ne pour embêter l'évangile de Jésus-Christ. To prevent the word of God. Mais Paul continue à prêcher quand même. But Paul continued. Ça dérange beaucoup le diable. The devil was very troubled wherever Paul went. Assez souvent dans and l'église, sometimes in the church, quand vous parlez la vérité, when you speak the truth, quand tu dis tout ce qui est bon, when you say the good things, quand tu parles pour le progrès de l'évangile, when you speak for the ce ne sont pas tous les gens qui sont contents. It's not everybody that's happy. Ceux qui ont le diable dans leur cœur, ils se sont dérangés. They are disturbed. Ils se sont dérangés. They are very disturbed. C'est comme si avec eux vous parlez. Because it's like it's them vous leur empêchez de faire leur action. To prevent them from doing et c'est ce qui s'est passé avec Paul. That's what happened with Paul. Paul a dérangé tout le voisinage, tout le monde a été dérangé. Paul disturbed everybody around. Parce qu'il était haï l'évangile. Because they hated the word. Et pour cela, because of that, qu'est-ce qu'il a fait? Il déclare que cet homme vient nous déranger. They said because he has come to disturb. Parfois dans l'église, il y a des gens que vous dérangez aussi. In the church, there are people le pourquoi la personne n'a pas l'esprit de Dieu dans son cœur? Because the person doesn't have the spirit of God in his heart. Tous les gens qui n'ont pas de l'évangile dans son cœur. People that didn't have the gospel in vous their allez déranger dans leurs paroles. They would disturb you even in their words. Écoute-moi bien. And listen, Paul continue à prêcher, prêcher, prêcher. Paul continued to preach and preach and preach. Et il continue à prêcher, prêcher. He continued to preach and preach. Et, preach. Et puisque ça le dérange, il décide que nous allons attaquer cet homme. We are going to attack this man. Plusieurs bourreaux, plusieurs vagabonds, plusieurs bourreaux. There's a lot of killers. Plusieurs hommes se mis à battre Paul. There was a lot of killers that decided to attack Paul. Plusieurs personnes se sont mis pour battre Paul. They had decided to fight him. Plusieurs personnes se sont mis pour attaquer Paul. A lot of people wanted to attack Paul. They got il commence together, à le battre. And they le bat, they begin to fight. Il le bat. They were fighting him. Ce que je crois, what I believe, ce que je pense, what I think, il y a une petite expérience que je vais partager. Lorsqu'on est en train de fouetter, c'est pas Paul seulement qu'on a fouetté. It's not only Paul that was. On a fouetté Silas aussi. They fought to Silas also. On a battu Silas ainsi que Paul. They beat him. They beat them. Ainsi que toute l'équipe qui était avec eux, tout all, le monde était avec all eux. All their group was beaten. Ils l'ont battu. They were beaten. J'aimerais bien faire une petite logique avec vous. I want to make a little sense out of this. Imaginez-vous. Just think a little bit. Moi et le pasteur, nous sommes deux amis. Me and pastor, we are friends. Je décide de faire un voyage avec le pasteur. I decided to take a trip with pastor. Et puis. And then. Un moment d'autre, j'ai dit au pasteur, j'ai eu une vision. And I tell pastor, oh, I had a vision. Nous n'allons pas où est-ce qu'on devait aller. We're not going where we are supposed to. Nous allons dans un autre endroit. We're going somewhere else. Et arrivé dans l'endroit. And when we got there, lorsque j'arrive là, when we got there, qu'est-ce que j'ai eu comme récompense? What did I get? Des coups de fouet. I got beatings all over.
Est-ce que je seconde? Est-ce que nous serons des amis? Would we still be friends? Moi, je vais être ennemi avec le pasteur. Nous serons deux ennemis. Regarde, qu'est-ce que tu m'as fait? J'avais décidé, nous avons conclu d'aller à Rome, et maintenant vous avez changé l'idée, et maintenant on commence à me battre au nom de Jésus. We decided to go somewhere else, and now you've brought us here, and where we are only getting beaten. So would I still be friends with you? N'est-ce pas ce mensonge que vous m'avez raconté? What are the stories that you were telling? That's not what we had decided to go. On avait bel et bien décidé d'aller à Rome, et maintenant vous avez changé d'idée. Arrivé en Macédoine, on commence à me battre. We had a good plan to go to Rome. Now you have changed. Et qui t'avait dit ça? What's happening to us? Qui t'avait dit ça? Who told you to come here? Où est-ce que t'avais pris cette parole? Where did you get this? Moi et toi, on est deux ennemis. On va séparer parce que vous êtes un menteur, ou bien moi je suis un menteur. Oh, we are going to separate. This friendship is over because you are a liar. Paul et Silas n'avaient pas cela. Paul and Silas didn't do that. Il avait accepté de prendre des coups de fouet. They accepted all these beatings. Il accepte d'être victime. They accepted to be victims. Il accepte tout. They accepted everything. À cause de l'évangile de Jésus-Christ. Because of the gospel of Christ. Il accepte qu'on le fouette à cause de l'évangile de Jésus-Christ. They took all the beatings because of the gospel of Christ. Mais si c'était fini. But if it was over, c'est pas fini encore. Après qu'on l'a battu de verge, even when they were after they've been beaten, ils l'ont jeté en prison. They have been thrown in prison. Avec l'espoir, with the hope, pour le faire comparaître, pour le faire arriver devant le tribunal, to bring them to court. Bon, écoute, est-ce qu'on va le tuer? Est-ce qu'on va le battre encore? Personne ne sait pas. Would they be killed? Nobody knows. Vous imaginez le cœur de cet homme, le contre l'autre. Just imagine the hearts of this. Comment ces gens-là ici étaient? How would they have been at that moment? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient en prison? What were they doing in prison? Voici ce qu'ils faisaient. La Bible nous dit que Paul et Silas, jour et nuit, commence à chanter et à prier. The Bible says that Paul and Silas in the night they sang and prayed. Et laisse-moi, les coups de fouet étaient tellement durs, ces gens étaient blessés. But you have to remember they were being a lot. Ils l'ont jeté en prison encore. And now they are in prison. Et puis sont en prison encore. But in qu'est-ce prison, qu'ils faisaient? What were they? Ils ne murmuraient pas contre l'autre, comme they were not angry with each other. Ils chantaient. They were singing. Ils priaient. They were praying. Ils louaient Dieu. They were praising God. Écoute-moi bien, je vais vous donner une expérience qui est là. And listen to what the experience was. La Bible dit, the Bible says, lorsque le chrétien qui est fidèle, when a Christian is faithful, le chrétien qui marche avec Jésus, the Christian that walks with Christ, le chrétien qui vit avec Jésus-Christ, the one who lives with Christ, lorsqu'il a un problème, while he has a problem, lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés toutes sortes, where there are problems and difficulties, il envoie ses anges. He sends his angels pour délivrer. To deliver them. Il envoie ses anges. God sends his angels pour te délivrer. To deliver you. Béni soit l'Éternel. Praise the Lord. Praise the Lord. Lorsque tu as des problèmes, while you have problems, tu as des difficultés, you have difficulties, il envoie ses anges. He sends his angels pour te délivrer. To deliver you. Puisque la Bible dit, because the Bible says, l'ange de l'Éternel, the angel of God, come. Came autour de ceux qui les craignent. They camp around the those that fear him. Il les a rachetés au danger. And they rescued them from. Alors j'en suis sûr. That's why I'm sure. Je suis sûr. I am je marche sure avec Jésus-Christ. That I walk with Christ. Son ange est auprès de moi. When he's the angel is pour me délivrer. To deliver me. Pour me sauver. To save me. Dans mes détresses. In the distress. Et il a confirmé. And he confirmed. Dans le Psaume 91. In Psalm 91. Que 1000 tombent à ton côté. That 1000 will fall on my side. 10,000 à ta droite. And 10,000 on my right side. Tu ne seras pas atteint. But they will not harm me. De tes yeux. De tes yeux. Oh, in his eyes. Tu verras. His eyes watch. La rétribution des méchants. Tu verras comment les see the perish, the evil perish. Comment les méchants vont être trébuchés, tomber. You will see how the evil will perish. De tes yeux. The wicked. Alors, le chrétien qui marche avec Jésus-Christ. And the Christians that walk. Je ne suis pas peur. I'm not afraid. Je suis fier. I'm proud. Parce que l'ange de l'Éternel est auprès de moi. Is so close. Dans mes problèmes. In my problems. Dans mes difficultés. In all my difficulties. Il est là pour me délivrer. He is there to deliver. Il est là pour me sauver. He is there to save. Je marche avec fierté. I'm walking avec with force. I walk with avec courage. With courage. Parce que je suis en sécurité. Because I'm in. L'ange de l'Éternel est auprès de moi. He's so close to c'est me. Ça. That's what it is. Mais je vais vous faire une deuxième expérience. But I'm going to tell you.
The first one was for the Christians that walk close to God. Chrétiens qui sont fidèles avec Dieu. The Christians that are very faithful. L'ange de l'Éternel est auprès d'eux. The angel of God is close to them. On va voir une différence. Le chrétien qui chante. But the Christians that. Le chrétien qui loue l'Éternel. The Christians that praise God. Qui donne gloire à Dieu. That give glory to God. Jour et nuit. Day and night. Le Seigneur n'envoie pas son ange auprès de lui. God doesn't send his angel just close to them. C'est lui qui est là maintenant. There, he's himself is there. C'est le Père. He's the Father. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Le Fils. The Son. Qui est là. He himself. Quand vous chantez, if you pray, vous donnez la gloire à Dieu. You give the glory to God. Ce ne sont pas les anges qui sont là. It's not the angels. Mais c'est le Père. But he's the Le Fils. Is the Son. Le Saint-Esprit. And the Holy Spirit. Qui est là. Is there. Parce que la Bible dit que. Because the Bible says. Je ne partage pas ma gloire à personne. I don't share my glory with anyone. La gloire est à Dieu seul. The glory is only for him. Et puis à Dieu seul. Because it's for him. Quand tu donnes la gloire est à Dieu. When you give glory le bon Dieu est là. Him himself. Jésus est là. Jesus is L'Esprit there. De Dieu est là. The Holy Spirit is there. Ça c'est ça. That's On dit pendant la nuit. And Paul et Silas. And Silas. Étaient en prison. They were in prison. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'après vous? What were they doing, you think? Ils chantaient. They were singing. Ils louaient. Ils donnaient la gloire à Dieu. They were giving glory to God. La Bible nous dit que. The Bible says. La puissance de Dieu. The power of. Descend. Came down. Sur Paul. On Paul, Paul. Dans la prison. In the prison. Là où la puissance de Dieu est. Where the power of God was. Il y a rien qui peut retenir devant Dieu. There's nothing that can stand. La Bible dit que les murs tremblaient. The Bible says the walls. Les murs tombaient. The walls. Il y a rien qui peut rester. There's nothing that can stand. Oh, béni soit l'Éternel. Praise the Lord. Béni soit l'Éternel. Parce que la présence de Dieu est là. Because the presence of God is there. Je vais, on va partager quelques expériences. Tout le monde qui sont là ici vient d'Afrique. Ou Haïti, n'est-ce pas? Everybody, you are here. You came from Africa or Haiti. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était dans l'armée, dans le militaire. Is there anybody here that was in the military? Mais laisse-moi vous dire que. But I am going to tell you. Dans le temps ancien. In the old days. Quelqu'un qui était dans l'armée. Somebody that was in the army. Qui était dans le militaire. That was the military. Si on vous donne à suivre un soldat. They suffer. Yo, si vous devez à suivre un prisonnier. They have to watch the prisoners. Si vous devez à suivre quelqu'un qui est en prison. If they ask you to watch somebody in prison. Cette personne ne doit pas être partir. That person must not go. Je ne sais pas. La personne ne doit pas être partir. The person si la personne escape, part, if the person escapes, vous allez prendre la sanction de la personne. You will take the sanction of the other person that. Si la personne part, vous êtes dans l'armée, dans le militaire. Si vous, on vous donne à surveiller if quelqu'un, they, if they give you the prisoner to watch, et la personne est sauvée dans ta main, and if the person escapes, c'est la peine de mort qui est réservée pour vous. It's only death that waits for you. Alors c'était comme ça dans le temps ancien. That's what it was. Et qui était le surveillant de Paul et Silas? And those people that are watching Paul in silence. C'était un bourreau, un bourreau. C'était un bourreau. They were the killers. C'était un bourreau nommé Géolier. They were the killers. C'est lui qui surveillait Paul et Silas. He was the one that was watching Paul in silence. Et pendant la nuit. But in the night. Il voyait que. They saw that. La terre tremblait. The earth was. Les murs tombaient. The walls were falling. Et. And. Il voit tout dans son cœur, tous les prisonniers sont partis. And they saw that all the prisoners were gone. Et il sait que c'est la mort qui va réserver pour lui. And they know that it's only death that awaits them. Eh bien, au lieu de prendre la mort entre les mains des magistrats. And they will take them to the court. Des hommes de la ville. And the il décide lui-même de se suicider. They even decided to commit suicide. Ils décident même d'enlever la vie. They would rather kill themselves. Et qu'est-ce qu'il a fait? But what did they do? Il a pris une épée. They took. Il voulait se suicider tout seul. They took a sword and wanted to kill themselves. Paul et Silas qui voyaient cela. But Paul and Silas saw that. Ils déclarent au geôlier. And they said. Fais aucun mal à toi. Don't do any harm to Je yourself. Ne suis pas parti. I'm not gone. Je ne suis pas parti. Je suis encore là. I am not gone. I'm still Et je here. Suis encore vivant. And I'm still alive. Fais aucun mal à aucun toi. Le
geôliers qui voyaient cela, the people that were seeing that, déclarent que ces hommes là ici, they declared, ne sont pas des hommes ordinaires. That these were not ordinary men. Ils se mirent à genoux. They knelt down. En disant Paul et Silas. And telling Paul and Silas. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie? What am I? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? What am I? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? What should I do to have Paul et Silas déclarent en disant. But Paul and Silas told. Crois au Seigneur Jésus. Believe in Jesus Christ. Et tu seras sauvé. And you will be saved. Toi. Believe. Et ta famille. And you and your family. Alors vous voyez comment. And so you saw how. Le plan de Dieu, the plan of God, pour sauver la vie d'un homme, to save the life of the, le geôlier est converti, the people saved, il a accepté Jésus, they accepted Jesus, il a écouté la parole, and he listened to the word of God. Non seulement il écoute la parole, ses amis ont accepté Jésus, and all his friends accepted Jesus. Et Paul a fondé une église en Macédoine, and then Paul set up a church in Macedonia. Est-ce que vous voyez le plan de Dieu pour sauver? Do you see the plan of God to save? Et écoute-moi bien, pour créer le ciel et la terre. Pour créer le ciel et la terre. Oh, to create the heavens and the earth. Écoute-moi bien, oui. Dieu, God, a passé 6 jours. Spent 6 days. 6 jours pour créer le ciel et la terre. 6 days to create. Mais pour sauver la vie, but to save de serviteurs. To, Jésus a préparé un plan depuis 4000 ans. Jesus has prepared 400 years. Après 4000 ans, il vient mourir pour vous sauver. 4000 years to die. Est-ce que vous voyez le plan de Dieu pour sauver le chrétien? You see the plan of God to save the Christian. Depuis son voyage qu'il devait aller à Rome. Since his travel that he was supposed to go to. Dieu a empêché le voyage qu'il a envoyé ça en Macédoine. God changed the plan and sent Macedonia. Juste pour sauver la vie du geôlier. Just to save the life. Avec tous les gens de la ville. With everybody in the city. Et une église est fondée là. And the church was l'évangile prêche avec hardiness, and the gospel avec force, with strength. Est-ce que vous voyez le plan de Dieu? Do you see the plan? C'est le plan de Dieu pour ma vie. That's the plan of God for my life. C'est pour le plan de Dieu pour votre vie aussi. That's the plan of God for your Dieu life vous also. Fait passer par un chemin. God can make you go through other routes. Vous ne comprenez. Je ne comprends pas le chemin. Me also, I don't Il y a personne qui connaît le chemin. There's nobody that knows. Même le diable ne connaît pas le chemin. Even the devil Jésus know seul that connaît le chemin. Et il va vous sauver. And he will save. Il va vous bénir. And he will bless. Et vous aurez la vie éternelle. And then you will have eternal life. Car le plan de Dieu, c'est pas pour que le monde soit périsse. Because it's not the will of God that this world perish. Mais pour que le monde soit sauvé. That the world will be saved. Non seulement le geôlier a converti. Not only the guard that les gens de la ville. The ont l'évangile, ils sont sauvés, they were also saved. Ils donnent l'évangile, they gave the et jusqu'aujourd'hui, and up to l'évangile presse en Macédoine. The gospel is still merci there. Jésus. Thank you, Jesus. Béni soit l'Éternel. Bless the name Béni of the soit Lord. L'Éternel. May the Lord. Tu as préparé un plan. You had a plan. Pour sauver ma vie. To save my tu as préparé life. Un plan. You prepared a plan. Pour me délivrer. To deliver me. Tu as préparé un plan. You have a plan. Pour que je sois au ciel. That I will be in tu as préparé un plan. You have a good plan. Pour que j'ai vie. That I have merci life. Pour ma vie. Thank you, Lord, for merci my life. Pour ma vie. Thank you, Lord, que for tu as préparé un plan. That you have pour se sauver. To merci save. Pour ma vie. Thank you dans for toutes the les circonstances. In all situations, n'importe quoi, no matter je suis what, rassuré I am que j'ai la vie éternelle. I rest assured merci Jésus, life. Merci Jésus, thank vive you. Jésus, thank que you, le Seigneur Jesus. Vous bénisse. May the Lord bless you. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Let's give the Lord a clap of praise, brethren. Amen. Amen. Are you blessed this morning? Est-ce que vous êtes béni ce matin? Are you blessed this morning? Est-ce que vous êtes béni ce matin? God has a plan for you. Le Seigneur a un plan pour and vous. And that plan will come to pass in Jesus' et ce name. Plan va se réaliser au nom de Jésus. We thank Pastor Bellefleur for merci coming Pastor to our midst this morning. Bellefleur d'être venu ce the matin. The Almighty God will bless him richly. Le Dieu tout puissant va te bénir. I would like us to pray for him. Prions pour Pasteur Bellefleur. And his ministry. Et son ministère. That the Almighty God will prosper. Que le Dieu tout puissant va le prospérer. That in that city of Montreal.
Montreal, que dans cette ville Montréal, as God has set him up in that place, comme le Seigneur l'a placé là-bas, that he will not be hidden, il ne va jamais that God will move his ministry from strength to strength. Que le Seigneur va avancer son ministère. Shall we rise up, brethren? Levons-nous, let's rise up onto our feet. Levons-nous, let's commit him and his wife. Et remettons-lui son épouse into the hand of God. Dans les mains du Seigneur. Let's lift up the work that they are doing in Montreal into the hand of God. Font à Montréal dans les mains du Seigneur. Let's ask that God will bless him mightily. Que le Seigneur le bénisse grandement. Let's ask that God will replenish him. Que le Seigneur les fortifie. That the anointing of God upon him will not go dry. Que l'onction de Dieu ne va jamais se sécher. Let's pray for their ministry. Prions pour leur ministère. Let's pray for their children. Prions pour leurs enfants. That it will be well with them. Que tout sera bien avec no les enfants. No evil will come near him and his wife. Remettons-lui son épouse. Into the hand of God. Dans les mains du Seigneur. Let's lift up the work that they are doing in Montreal into the hand of God. Et font à Montréal dans les mains du Seigneur. Let's ask that God will bless him mightily. Que le Seigneur le bénisse grandement. Let's ask that God will replenish him. Que le Seigneur les fortifie. That the anointing of God upon him will not go dry. Que l'onction de Dieu ne va jamais se sécher. Let's pray for their ministry. Prions pour leur ministère. Let's pray for their children. Prions pour leurs enfants. Que le Seigneur les fortifie. That the anointing of God upon him will not go dry. Que l'onction de Dieu ne va jamais se sécher. Let's pray for their ministry. Prions pour leur ministère. Let's pray for their children. Prions pour leurs enfants. That it will be well with them. Pray for their ministry. Prions pour leur ministère. Let's pray for their children. Prions pour le sera bien avec nous. Sera bien avec nos enfants. No evil will come. Sera bien avec nos enfants. No evil will come. Sera bien avec nos enfants. No evil will come near. Sera bien avec nos enfants. No evil will come near. We thank you. We thank you for his life. Merci grandement pour sa vie. We thank you for his ministry. Merci pour son ministère. We thank you for how you have used him to bless us today. Merci comment tu l'as utilisé pour nous bénir. We ask that your anointing upon him. Que ton onction sur lui, Seigneur. We never go dry in Jesus' name. Ne se sèche jamais au nom de Jésus. Father, you will take him from strength to strength. Père, tu vas l'amener de force en force. From glory unto glory. De gloire en gloire. And it shall be well with him. Et tout sera bien avec lui. It shall be well with his wife. Sera bien avec son épouse. It shall be well with their children. Avec ses enfants. It shall be well with their home. Sera bien avec leur maison. We pray, oh God, for one thing. Nous prions pour une chose, Seigneur. Just as the Bible says, comme la Bible dit, that the righteous is like a palm tree that is planted by the riverside. Que le juste est comme cet arbre qui est planté à côté de la rivière. That bring forth its fruits in a season.